Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur la chaîne, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session sur Baton Kaitos Origins. On reprend l'aventure après avoir vaincu un nouveau sion de Malpersio, sorte d'engeance de Malpersio. C'est la deuxième qu'on parvient à vaincre, et à chaque fois que c'est intervenu, Guillo il passe dans une espèce de transe dont il n'a pas vraiment souvenir, sauf cette fois-ci. Autre fait, on est retourné dans une sorte de rêve, pour le moment on ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais cette fois-ci, encore une petite différence, Guillo et Milly étaient avec nous et pouvaient profiter de l'environnement et nous venir en aide. Bref, on est cette fois-ci en direction d'Alphard, on retourne à Alphard pour avoir des réponses auprès de Verus, je sais pas trop comment il s'appelle. Bref, c'est parti. Et bonsoir, Nanatoru Omikami Ichi, como estas les gars? Alors on a des bons pour avoir des cartes, des Magnus, mais on va pas les utiliser ici. On les utilisera à Alphard si on peut. Je sais pas trop si c'est vraiment une ville. Salut Gar, comment ça va? そのようだな。大陸の一部を削り取るとは、わしが人間だったら震えておる。どうしたサギ？今まであたり前のようにあったものがなくなってる。それがこんなに気持ちの悪いことだなんて、なんだか許せないよ。 Effectivement, il manque un sacré morceau de l'île. Non, Octopass Traveler 2, j'ai pas fait le platine. C'est devenu très rare que je fasse un platine sur un jeu pour dire... Ouais, j'en fais plus en fait. Hein. Plus du tout. Bah, je pense qu'il faut retourner au port. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais dans le premier, tu pouvais récupérer des objets dans les urinoirs. Si, ça me dit vaguement quelque chose, effectivement, maintenant que t'en parles. Dragon Quest 7, 2 heures avant de faire du Dragon Quest, c'est un peu bof. Déçu du début, ah ouais. Le vaisseau est sur le point de partir. À tous les passagers, préparez-vous à l'embarquement. Eh bien, prêt à partir, Toxique? Allons-y. Ça me fume le bout de viande. そんな心配することないの。あそこはね、母さんが守る場所。あなたは自分の夢を追えばいいの。母さん。ほら、もっとシャンとなさい。背筋を伸ばして。そんな顔してたんじゃ、やる前から負けじゃないの。分かったよ。サギ、行こうか。 待って、ミリアルデさん、ちょっといい？はい。 サギはいいの、向こうで待ってらっしゃい。え、うん。ねえ、あなた、何か隠していることがあるのね？ 私は言いたくないのならいいの。大丈夫。私にはあなたが悪い子じゃないって分かってる。おばさま、ごめんなさいね。
かったのはそのことじゃないの。言いたかったのは詐欺のこと。ミリアルデさん、よかったらこれからもあの子のことを見ててあげて。あの子ずっと一人ぼっちでね、友達と言ったらギロと。だからあなたみたいなお友達ができて私嬉しいのよ。まもなくアルファルド行き出航です。サギ、そろそろだぞ。うん、ミリー、そろそろ行くよ。じゃあ、サギのことよろしくね。はい。ギロ、頼むわね。分かっておる。ジーナも体に気をつけろ。ありがとう。じゃあ行ってくる。ええ、行ってらっしゃい。Il y a un clip dans le premier Baton Kaitos qui était dédié à Gar. Faut vraiment que je le sorte, ce best-of. Ouais, c'est vrai que ça manque de guide pour Octopath Traveler 2. Oh la tronche. さ、ギロ。知らん。詐欺が決めればよいだろう。はい、決まり。ネロ様のお屋敷はミンタカの西よ。さあ行きましょう。詐欺、ポンコツ人形も遅れずについてきなさいよ。口の悪い小娘だ。いつか食ってやるからの。Ouais, donc là ça commence à me revenir. Alfarn, en fait, c'est le continent de l'Empire. Enfin, l'île sur laquelle se trouve la capitale de l'Empire. Si je dis pas de bêtises. Un de nos Magnus réagit à la fleur. Je pense que c'est le Magnus qu'on a eu du Vert des Sables. Ah oui. What? La la la, la brise souffle dans les rues vides que nul ne foule, car tout ce qu'il reste de Sedna, c'est de l'herbe qui ondule comme la houle. Diantre, qui êtes-vous? Depuis combien de temps êtes-vous ici? Hein? Ah non, je viens d'arriver. Où sommes-nous? Quoi? Vous ne le savez pas? C'est Sedna, comme la ville de... Vous n'en avez jamais entendu parler? Ah bon? Je vais vous raconter. Voici Sedna, une grande étendue de terre dérivant dans l'autre dimension, près de Myra. Il ne reste aujourd'hui plus grand-chose de la ville à part de grands espaces vides. Mais ce fut autrefois une charmante petite ville à la population chaleureuse. Jusqu'à ce que cette sale face de rat bouffi et désagréable n'arrive ici. Et a changé la ville entière en Magnus. Aujourd'hui, les Magnus de Sedna sont disséminés aux quatre coins du monde,
Personne ne sait vraiment où. Et tout ce qu'il reste de Sedna, c'est une vaste étendue d'herbe. Ah, au fait, je m'appelle Maya. Et vous? Et comment avez-vous fait pour arriver ici? Je suis Sagi. J'ai été envoyé ici quand ce Magnus s'est mis à réagir. Ceci explique ce... Ouah, minute. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ce Magnus, c'est le pont de Sedna? Qu'est-ce que ça signifie? Sagi, c'est ça? Voudriez-vous me remettre ce Magnus de Sedna? Vous n'avez qu'à vous dire que c'est pour aider une demoiselle en détresse, s'il vous plaît. Ah, oui, tenez. Génial! Ce Magnus fait partie des Magnus de Sedna, vous voyez? En libérant un Magnus de Sedna, tout ce qui est emprisonné reprend sa forme originale. Bon, un dessin vaut mille mots, et nous sommes tous deux très occupés. Si on essayait pour voir. C'est parti. Waouh! Pont de Sedna restauré. Et voilà, c'est classe, hein? Eh, Sagi, si ça ne vous ennuie pas, pourriez-vous venir me voir si vous trouvez d'autres Magnus de Sedna? Si vous tombez dessus, rapportez-les-moi. Vous pourriez être celui qui rendra à Sedna sa gloire d'antan. Je le sens à votre aura, vous savez. Quoi qu'il en soit, au fur et à mesure que la vie reprendra le dessus, de nouvelles personnes pourraient apparaître. Alors Sedna pourra devenir une superbe ville pleine de vie, comme elle l'était autrefois. Bien sûr, je vous récompenserai en conséquence. J'ai des petits trucs que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Allez! D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Merci, je compte sur vous, Sagi. Je m'en charge. Bonne chasse. Tu peux commencer par me donner un truc, là, non? On dirait que vous n'avez aucun Magnus de Sedna sur vous. Quelle naze se pointerait les mains vides. Pardon? Je blague, désolé. Ouais, t'as intérêt, sinon tu vas rester sur ton île, là. Ah, du coup, là, ça va former certainement une ville, quoi. La ville de la quatrième dimension Mira. Mira existait déjà dans Baton Kaitos, enfin, existait déjà. Existera dans Baton Kaitos, les ailes éternelles et l'océan perdu. Mais on va pas trop spoiler non plus. Deux épisodes de FF13 en deux jours, t'accélères. Mais comme je t'avais dit, tu sais, j'avais pas mal record dessus. Et j'avais du montage à faire. Il m'en reste un ou deux d'ailleurs à faire. Non, elle a pas dit que j'étais naze. Elle a laissé supposer qu'on pourrait l'être. C'est pas pareil. Il y en a eu des gros fous rires sur les lives. Ouais, quand même, ouais. J'espère en avoir d'autres. Bah, dans le best-of, il y a malheureusement pas tous les clips parce que... Bah, des fois, je pense pas à clipper. Et pareil pour ceux qui regardent le live. Puis il y en a que t'as dû rater aussi des séquences. Hein. T'étais pas sur le live ou t'étais ailleurs ou j'en sais trop rien. Hein. Du coup, ouais, il y en a qui vont découvrir des séquences assez marrantes. Du coup, on est de retour ici. Je crois qu'on avait 2-3 quêtes annexes d'ailleurs. Mira, c'est la zone où les devs se sont défoulés direction artistique. Ouais, je crois que c'est celle-ci, ouais. J'y arrive pas! Ça ne va pas? Vous vous sentez bien? Ah, oh, monsieur le passant, vous devez m'écouter. Je suis un moins que rien. J'ai essayé et encore essayé de passer les tests pour devenir un candidat au Colisée. Et j'ai finalement réussi. Je crois que c'était Nanatoro qui se plaignait de pas réussir à finir Dragon Quest 11. En mode full héroïque. Mais à chaque fois que j'essaie de m'approcher du Colisée, j'ai les jambes en compote et je ne peux plus faire un pas. Mon sponsor, Monsieur Sting, a placé tous ses espoirs en moi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Ma motivation est totalement anéantie. Tenez, prenez ça. Je ne pige pas trop, mais on dirait bien qu'il veut nous donner une essence de Magnus. Qu'est-ce qu'on fait, Tox? On la prend. Plaque d'identité? Merci. Au sujet de ces plaques, elles ont un pouvoir particulier. Si vous marchez sur une fleur bleue alors que vous les avez en main, vous pouvez vous téléporter directement au Colisée. Hein?
Il y en a une juste ici, pourquoi ne pas essayer? Je ne peux pas accepter. Ne soyez pas stupide, on ne peut pas jeter des plaques d'identité. Ce sont les règles du Colisée. Maintenant que vous les avez prises, je me sens sacrément mieux. Ramasse ton fardeau, quoi. Je pense que je vais aller marcher un peu et prendre l'air. Tout ce que je sais, c'est que vous allez devenir un grand guerrier célèbre. On peut vraiment les garder? Ouais, c'est bon. Oui, tu as raison. Et ce type a dit qu'il se sentait mieux depuis que je les avais, de toute façon. Allons voir ce que ça donne. Tant pis pour lui... Tant pour lui que pour nous. Ok, Toxic? Of course. On va peut-être lui donner le bout de viande à ce pauvre animal. Du coup, on va faire une save avant. Je vois pas trop comment on s'y téléporte. Est-ce qu'il faut que je la lance? Ou c'est là-dedans? Le Colisée, c'est là. Sedna et la cathédrale des confins, je vais y faire un tour. Le boss m'a permis peut-être de gagner suffisamment de points. Et bah oui. Alors, niveau de classe 7. 7 jeux de cartes, évidemment. Ah, on peut défausser 4 cartes à la fois, ça c'est très bien. Vous pouvez maintenant utiliser la furie de PM. D'accord, ça fait quoi la furie de PM? Est-ce que je vais avoir une information là-dessus? C'est moins sûr. Peut-être en lançant un combat, je vais avoir... l'info. On verra ça. J'ai toujours pas fait de deck différent. On verra. Par contre, j'ai ça. Et ça, c'est un peu bien. Qu'est-ce qu'on va virer? Ça aussi, c'est pas mal en vrai. Hein. Là, je vire les trucs pur gel, puisque pour le moment, il n'y a pas d'ennemi, on va dire, qui fait du gel. Ça aussi, je vais pouvoir le virer, je pense. Peut-être au profit d'attaques de ce genre. Rang des PM. Trop bien, ça. C'est pour qui? C'est pour tout le monde. On va en mettre une, tiens. Peut-être pas mal. Est-ce que je rajoute une petite attaque? Non, je vais remettre celle-ci. Parce que j'en ai pas 50 000 avec lui. Et on va essayer le Colisée vite fait. D'ailleurs, demain ou samedi, ouais, y a des chances que je fasse une petite découverte d'un jeu. À voir. Ça me plaît bien ce format en tous les cas. Et comme je l'ai dit à Gare tout à l'heure plutôt en privé, il y a des chances que je déterre des RPG un peu méconnus et qui méritent quand même d'être un petit peu à la lumière quoi. Inspire, expire, expire, bon sang. Avec cette fille, nous nous écrivons depuis des mois et aujourd'hui nous nous rencontrons enfin. Je suis tellement stressé que j'en ai la boule au ventre. Ah, je suis navré, mais je ne peux vous laisser passer sans ticket. Si vous êtes venu en tant que participant, allez voir le garde au niveau des escaliers sur la gauche. Ok. Ces plaques d'identité autour de votre cou. Vous êtes le nouveau qui s'est enregistré il y a quelques jours. Vous êtes en retard, très en retard. Vous auriez dû être là il y a des semaines. Allez, entrez. Pardon? Hé, ce gamin est nouveau. Montre-lui les cordes, veux-tu? C'est ça.
Laissez-moi faire. Alors comme ça, vous êtes le petit nouveau de Sting? Eh oui. Ouais. Vous avez pris votre temps pour arriver ici. Tout le monde pensait que vous aviez craqué et abandonné. Monsieur Sting est votre sponsor. Ne lui causez aucun préjudice, pigé. Je suis le commentateur pendant les combats. Je m'appelle Ark. Enchanté. Salut, moi c'est Flèche. Enchanté de même. C'est la salle d'attente. Les combattants aiment bavarder ici entre les matchs. C'est le guichet. On doit venir s'inscrire ici pour pouvoir combattre. Et je vais tout préparer. À chaque fois que tu voudras aller dans l'arène, tu n'auras qu'à passer par ici. Plus tu remportes de matchs, plus tu avances, et plus les prix deviennent intéressants. Ah ah. Fais de ton mieux, et ne va pas au-delà de tes limites. Bonne chance. Mais est-ce qu'on peut se manger un game over ici? Bienvenue au guichet d'inscription du Colisée. Comment puis-je vous être utile? Bah, s'inscrire à un combat, j'ai pas très envie de m'informer. Ah ouais... Rang 1. Un groupe. Fabuleux amis de la forêt. Les animaux du bois de Katsu, quoi. 800 PR, je pense que c'est les points. Ouais. Je ne crois pas qu'ils vivent tous dans la forêt. Allez. Tous mes encouragements. Ah oui, ça démarre vite. Ah mais c'est ça, mais c'est bidon ça, non? Enfin ça se trouve, ils ont power up ceux-là. Fight. Ah non, ils sont bidons. Je l'ai même pas vu mourir, l'autre. C'est les premiers combats, en fait. Donc on va pouvoir en faire quelques-uns sans trop de soucis, logiquement. Ah, j'ai rien dit! Il y a plusieurs rounds, évidemment, of course. Je crois que ça on peut le virer. Ça va aller. C'est trop bien de pouvoir en défausser 4 là. Il y a combien de rounds là? D'accord, il y en a 4. C'est bien. Et félicitations! Merveilleux. Ah mais du coup on sait pas lesquels on a fait tout ça. Je peux tenter direct les derniers là mais... Il vaudrait mieux y aller graduellement. Bon allez. Pas besoin de s'étendre sur cela.
tape dur. On verra. J'aurais déjà tapé de cela, je crois. Ça me dit quelque chose, en tout cas. Ouais, ça passe crème. Comme diraient les jeunes. T'as l'air de mieux gérer la gestion des cartes dans les combats. Ouais, hier j'ai pas mal, on va dire, évolué dans ce sens. Disons que je connais mes cartes maintenant. Je sais un peu comment les utiliser par rapport à avant. Donc ouais, ça va beaucoup beaucoup mieux. Bon, après là, les ennemis sont bidons, donc j'ai aussi le temps de choisir mes cartes, tout ça. Ah, ceux-là, je les ai rencontrés il y a pas si longtemps que ça. C'est pas encore les derniers, mais ces monstres-là, j'en ai déjà vu. Tiens, on l'a pas encore vu cette attaque. Sympa. Elles sont pas forcément très impressionnantes. Mais elles restent sympas malgré tout. Ouais gros. Salut Marvel, comment ça va? Ah, c'est ceux-là les derniers que j'ai vus. Ok, donc là, quand même que je fasse gaffe. Pourquoi ils dorment là? C'est quoi ce délire? Bon, ça m'arrange, hein. Comme ça, il y en a pas un. Il a un peu trop d'attaques lui, il a que ses attaques spéciales à lui. Faut pas déconner quand même. Il en faut pour les autres. Pas d'attaque spéciale, tant pis. J'ai pas pu faire un relais là. Trop lent peut-être. Et bah c'est passé crème. Mais du coup, c'est quand qu'on gagne des trucs là? Bon allez, on s'informe. Je serais ravi de répondre à toutes vos questions.
À quoi servent les rangs? C'est votre niveau au Colisée impérial, il augmente au fur et à mesure de vos victoires sur des ennemis de plus en plus puissants. Vous ne pouvez affronter que des ennemis de votre rang ou inférieur. N'oubliez pas, battez-vous comme un acharné, et un jour vous pourriez même devenir champion. Ah ouais, donc là je peux pas faire du rang 2 quoi. On voit plus de live sur les Pixel Remaster ou plus de live depuis la sortie physique? Ouais, d'ailleurs ça a pas trop de sens. Les gens ils ont vraiment attendu la version physique pour y jouer. Qu'est-ce qu'une quête de rang? Ce sont des quêtes que vous pouvez entreprendre une fois que vous avez suffisamment réduit le nombre de points de la case suivant. Et remporter tous les combats de votre rang. Ah, faut remporter tous les combats. Nous vous demanderons alors de nous rendre quelques menus services, puis votre niveau au Colisée augmentera. Rien de plus que ça, vraiment. Ok, donc en gros, faudrait que je fasse les quelques autres. Genre dans le rang 1, j'ai fait le premier et le dernier. Faudrait que je fasse les 3 autres, vite fait. Ouais, ça prend 5 minutes par combat, on peut se le permettre. De plus en plus, ouais. J'espère quand même qu'ils vont rééditer quelques unités de cette version physique. Je trouve ça totalement absurde qu'ils aient fait ça en version limitée, c'est ridicule quoi. Mais que ce soit pour les jeux ou pour le merchandising chez Square Enix, je comprends pas comment ils fonctionnent. Genre il y a des OST, tu les trouves plus. Enfin, bon sang, ce sont des CD de musique quoi. Les figurines, à la limite, je peux comprendre. Genre, je sais pas, le fabricant, elle a plus les moules. Ok, pourquoi pas. Moi je m'en fiche un petit peu des versions physiques du Pixel Remaster. Je les avais pris sur Steam en numérique quand c'est sorti. Mais je sais qu'il y en a qui sont hyper frustrés de les avoir loupés quoi. Et je peux comprendre, hein. Il y en a, le numérique ça les intéresse pas, ils veulent des versions physiques quoi. Je dis pas, hein, s'il y a d'autres unités qui sont drop, peut-être que je me laisserai tenter. Mais... apparemment, c'est pas mal demandé maintenant. Est-ce qu'ils vont répondre à la demande? En parlant de physique, j'ai reçu mon deuxième Lego décoratif. Toi aussi, t'es dans les Lego Marvel? Tu vas te faire un pote avec Nanatoru. Enfin, même si en ce moment, je crois qu'il a arrêté. Aux 2-3 semaines, je voyais rien dans les recommandations ni sur les autres chaînes Twitch. Pour moi, c'est la sortie physique qui a relancé la bête. Ah, c'est sûr! Il y en a beaucoup qui avaient attendu la version physique. Je me trompe. Là-dessus, t'as totalement raison. Depuis peu, oui. J'avais une plante et... la R2D2. D'accord. Salut Tidros, comment ça va? Ah, je me suis loupé. Come on.
や反撃Si j'ai le cas, je prendrai le physique. Tout est question de patience et de chance surtout. Laisse tomber. La cote est déjà monstrueuse. Et je pense qu'elle descendra pas vu que bah, pour le moment c'est pas édité. Enfin, c'est plus édité. C'est absurde. Le jeu était à peine sorti en physique. Je parle des Pixel Remaster. Hein. Il y avait déjà des versions, que ce soit PS4 ou Switch, à 150€. Enfin, franchement. Moi, je comprends pas tous ces gens-là qui arrivent à vendre sur des sites comme Vinted et compagnie, parce qu'en plus, ils font ça par VPC. Donc, ça veut dire que tu as une trace au niveau de ton compte. Alors, je sais pas s'ils font ça toute l'année ou si c'est juste pour gratter 100€ sur un an, mais c'est ridicule, quoi. J'en étais à ceux-là. Il me reste ces deux-là. C'est ridicule de se faire 100 balles par an, quoi. Parce que normalement, tu dois... Enfin, comment dire, Vinted ou que ce soit un autre truc comme Le Bon Coin, ils sont obligés de déclarer au fisc si tu dépasses les 3000 ou 3005. Et crois-moi qu'ils le font. Hein. Bonsoir Koro, comment ça va? Qu'est-ce que je lance? J'en sais trop rien. Hein. Ah non, pas le dodo. C'est pas bien ça. Zut. Il est sur le PS Store aussi? Ouais, ouais, ouais. Ça va super pour vous, merci. Trop d'attaques spéciales là. Ils font des dégâts quand même là. Tu veux prendre les remasters des jeux de NES, Super NES? Bah t'en as quand même 6 à prendre. Ils sont tous en fait concernés. Bonsoir Chat Noir, comment vas-tu? Non mais ils sont très très bien hein, les Pixel Remaster. Et c'est vraiment très cool qu'ils aient fait ce truc là. Maintenant, encore une fois, je trouve ça dommage qu'ils aient fait des versions limitées des éditions physiques, quoi, c'est absurde. Y'a pas d'autre mot. En fait, je comprends pas quel peut être l'intérêt réellement d'une boîte de limiter ses versions physiques, sachant qu'ils savaient que ça allait partir facilement. C'était sûr que ça allait se vendre tout seul en fait. Ça ne pouvait être autrement. Bonsoir Florentin, comment ça va? Ils font mal ceux-là, faut que je fasse gaffe.
mince, j'aurais peut-être pas dû la virer l'autre. Wow 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 wow. Pourquoi j'arrive pas à le soigner lui? Il va crever lui. Non, on va soigner. Si vous voulez bien. Ça va, je commence. Futur retrouvé de Xeno 3. Je verrai ça plus tard, moi. De toute façon, j'avais des trucs à finir dans Xeno 3. Quelques petits trucs annexes. Il se passe rien là, j'ai déjà fait toutes mes attaques. Putain, mais j'étais en train d'attendre en fait, bêtement. Oh le naze. On va faire ça. J'ai un petit peu déconné là. Ah, je vais les virer ça. Ça va coûter trop cher. Tox s'est fait exprès, ils sortent quelques unités pour faire grimper la cote. Et ils en ressortiront quelques centaines chaque année pour garder ses cotes. Je pense pas. Un éditeur, il a aucun intérêt à ce que la cote soit haute en fait. Il m'en reste un de combat à faire. Et les flasques. Là j'étais sur R primaire quand même. Hein, qui était plus chaud que Père Top Dur, je trouve. Toutes les quêtes ascension de héros, exactement, c'est ce que j'ai à faire. Il faudra que je me remette dans le bain parce que j'ai un peu oublié comment on y joue tout ça. Ça c'est pour lui, donc ce sera lui. Je vais procéder un petit peu différemment. Ça leur permet de justifier de les vendre à 80 balles neufs sans que personne s'en plaigne. T'inquiète pas, hein. Que ce soit limité ou pas, ça les empêche pas de vendre les jeux à ce prix-là. Ça fait déjà un moment que c'est le cas, hein. Square Enix, c'est quand même un des rares à vendre du merchandising très très cher, hein. Vraiment, il est hors de prix leur merchandising. Notamment les figurines, tu vois, sont pas exceptionnelles et les prix sont très élevés. Hein. Si encore derrière elles étaient extrêmement qualitatives, je dis pas, mais c'est pas le cas. Hein. Bandai Namco commence à faire pareil. Alors c'est pas faux. Mais ils ont quand même eu la décence de vendre. Attends, je crois que c'est eux qui éditent Tales of Symphonia, non? Il est à 45, je crois. Et là encore, il est descendu à 35 dans beaucoup d'enseignes. Moi, je les ai toutes faites dans ma première partie, là, en New Game Plus. Il me manque celle des héros DLC. Ah. Peut-être que je ferai un New Game Plus sur Xenoblade. Hors live. Pour me remettre dans le bain, quoi.
Alors je me permets parce que je peux apporter pas mal de connaissances sur le fameux merchandising de Square Enix. Avec plaisir, Mikami. Focus les attaques de Guilo. Mince, c'était pour Guilo justement. Allez, c'est parti, mon Kiki. Alors j'ai une collaboration avec Prime One Studio pour fabriquer des statues en résine en édition limitée. Ouais, les résines de toute façon c'est très rare qu'elles ne le soient pas. Ils prêtent leur licence comme Nier Automata ou FF6. Ils ont notamment créé une statue de Terra, ouais on a vu, à 13 500 €. Et encore t'as fait la conversion. Pour vous donner un aperçu, on peut avoir un Spider-Man à taille réelle en full résine avec peinture chromée et LED pour 10 000 balles. Donc bien en dessous. Donc la statue de FF6 coûte extrêmement cher. Je me suis un peu bourré là. Tout ça c'est à Sagi. Et ben ce sera Sagi. C'est uniquement parce que c'est Square et parce que c'est Final Fantasy, tout à fait. Après elle était très jolie la figurine. Est-ce qu'elle était qualitative? Je ne sais pas. J'ose espérer pour 13 500 balles, soit le prix d'une voiture. Une bonne voiture déjà. Bon, j'ai fini tous les combats du rang, mais il se passe rien. Bref. Pour le moment, le Colisée. On va s'arrêter là, je pense. Qu'est-ce qu'elle a à me dire là? Vous êtes au comptoir des prix du Colisée. Ah ben voilà. Quelque chose en particulier vous intéresse? On se prend un truc ou quoi? Autre prix. Recette secrète. Allez, pour le principe. Comment ça, faut être au moins rang 2? Garde tes prix. C'est nul. C'est surtout principalement réservé à un public asiatique, pour ne pas dire chinois. Ils ont des moyens énormes pour leur collection, c'est aberrant. Ouais. Oh, c'est stylé. Ça, c'est censé être la carte du monde, hein.
Enfin, du coup, la carte de la région. Allez.